Hallo Leute, alors aujourd'hui je vais vous présenter les Darländer. Alors les Darländer, c'est le nom de ma chaîne Liebe Darländer et je ne vous ai jamais encore expliqué qu'est-ce que c'était et à quoi ça consiste. Alors les Darländer représentent les pays du monde germanique, c'est-à-dire les pays qui parlent allemand, en tant que langue officielle. Il y a trois pays. L'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de Darländer, l'Autriche et la Suisse. Le nom signifie, pour le D, c'est Deutschland, pour le A, c'est pour l'Autriche et c'est en latin, Austria. Le CH, c'est pour Confédération Helvétique et en latin, ça fait Confederatio Helvetica. Plusieurs variantes ont lieu, les Darli, donc on rajoute le Liechtenstein en plus, les Dar, on rajoute le Luxembourg en plus, et les Dars, en fait on rajoute une région d'Italie, le Tyrol du Sud, qui faisait partie il y a longtemps de l'Empire austro-hongrois, et donc il parle allemand. Et certaines minorités germanophones des pays voisins comme le Danemark ou la Belgique sont souvent inclus dans les Darländer. Alors la population des Darländer est de 100 612 649 habitants, et si on rajoute Liechtenstein, ça fait 100 650 459 habitants, c'est pas beaucoup plus. Alors si vous n'avez pas envie de détails plus barbants sur les Darländer, et ben vous pouvez quitter la vidéo maintenant, puisque là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors à quoi sert les Darländer ? Alors les Darländer ont mis en place un institut de la langue allemande qui existe depuis 1964 et qui est installé à Mannheim, mais aussi dans l'alimentation, par exemple les valeurs de référence DACH pour l'apport de nutriments. Par exemple la Deutsche Gesellschaft für Ernährung EFAO, DGE, l'Österreichische Gesellschaft für Ernährung EGE, la Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung, SGE, et l'Association Suisse pour l'Alimentation, SVE, se sont mis d'accord pour la première fois en 2000 sur les valeurs de référence communes pour l'apport en nutriments. Ils s'inspirant des plaques d'immatriculation habituelles des pays concernés, Allemagne D, Autriche A, Suisse CH, les nouveaux indices de référence sont dénommés de la valeur des références TAR. Pour continuer la création de trois associations, Médiation d'Ar et .VO, Association européenne d'avocats d'Ar, Comité d'Ar de la fiscalité qui comprend pour le dernier le Liechtenstein, et une compagnie de bus, Flixbus d'Ar.